Prisonnier politique, nous connaissons qui est en prison depuis bien longtemps, surtout des nègres qui étaient dans l'opposition farouche, là, qui tapent farouche Jovenel Moïse, et bien toujours en prison. Malgré le problème, c'était avec le président de la République. Eh bien, nous avons vu semaine dernière, qui Jean partisan, ça me carré les anciens députés Delma Tabarlan, Anel Belizette, te prend la rue pour manifester frustration. Yo, côté Anel Belizette, ensemble avec yon frère, toujours en prison à Pigépen. Pour nous te ça seulement, il y a un pilote toujours qui est en prison. Eh bien, dans ce sens, je crois que ancien sénateur Latibonitlan, Youri La Tortue, te traité dossier ça de façon à l'amiable. Pour le demander, ça ne déclare le PM actuel là pour le pencher sous Kamoun sa yo. Eh bien, l'État allé plus loin pour te faire comprendre que vide et présidentiel qui gagne actuellement là, l'État présenté 10 résolutions qui sont capables de résoudre la crise ça. Mais yon nèg tan kou Youri La Tortue qui finit faire Berlin en pouvoir, qui finit faire des bonnes bagailles, est-ce que parole ça yo volo avec diamant? Donc, nous sommes obligés de dire comme ça. Parce que nous connaissons, par rapport à la nous, ça l'a dit là, même les ou même ou kawa yo bon, vraiment, mais nous n'est pas, c'est lui la prier et pour nous arriver au pouvoir pour le fond bagay pour lui. Eh bien, bon, comme nous connaissons, c'est politique qui a fait, politique sont son question de bamba bolie, politique pas en question de costumes ou prend tout pour, eh bien, quand on a parlé pour là, même les ou elle pas cité non, eh bien, il y a un monde dans la poche. Eh bien, je vous dis, je crois que si tout dans le dossier, ça ne décarre les prisonniers politiques, bon, parce que ça vraiment vrai, bah, va être un bon problème. Surtout, les considérés qu'à Anel Belizea, nous avons plusieurs femmes, nous avons un paquet de descendre, retourner, donc, Haïti, bah, là, c'est comme ça. Je crois que le problème, le Jovenel Moïse, c'est avec Anel, là, je ne parle pas là encore, je crois Anel Belizea vraiment vrai. Donc, nous avons supposé prendre cas là en considération. Eh bien, Youri La Tortue, tu as parlé dans le micro la presse, il dit ça le ressenti, surtout dans le dossier Anel Belize là, dans le dossier Lamont Jovenel Moïse là, avec un pilote dossier qui a fait la une dans le pays. Je crois que l'ancien sénateur, Jean Dunouan, nous connaissons actuellement là tout, qui a maman li, qui a indexé dans la question ILCC, qui a gagné un pile d'argent qui est lui dans l'ONA. Bon, bah, ça nous va connaître. Tellement que nous dans le pays la poutre avec code. Donc, je crois que tout haïtien, haïtienne qui a un cabrit cochon, bœuf, tu as commencé à supposer la guébette sa ou dans sa vente pour prêter l'état haïtien code pour marrer vacabon. Tellement que nous avons gaspillé, gagoté l'argent pays d'Haïti. Youri La Tortue, en a démissionné. La ville non air, côté que extrêmement important que dirigeants qui la yo, ils prennent toutes les mesures pour que les prisonniers politiques soient libérés et que la population ait une sécurité. Et dans ce sens, nous avons des recommandations spécifiques que nous faisons avec la police pour dire ça vous le faites pour que vous rétablissiez la question de sécurité. Cependant, nous avons l'autre événement que nous avons appris hier, la question du greffier Valentin, que nous avons fait pression sur lui pour mettre nom à l'original Boulos. Dans le monde qui était dans la réunion pour planifier l'assassinat du président, n'a pas parlé de lui en dernier, mais n'a toujours, nous allons parler de deux points sérieux que nous avons planifié pour le débat pour faire ce point-là. Et l'autre point, la question du greffier Valentin, n'a vu en troisième position. Et après, la vraie question. La première chose, c'est la libération des prisonniers politiques. Dans le moment que nous vivons là, pas qu'à gagner un prisonnier politique sérieux. Parce que il y a plus de monde qui a été arrêté, et monde ça a été arrêté en dehors de la loi, il a été arrêté pour des questions purement politiques. Et je dis à moi, je crois que il n'y a pas qu'à arrêter dans la prison. Il y a Anel, Kelly, Baba, Jean-Denis, Apollo Oka. Nous croyons que il y a plus d'efforts que l'avocat a fait, mais il y a plus de la loi qu'a fait. Je dis à Haïti en action et en pile autre organisation côté solidarité à tout le monde yo, et nous dit qu'il est temps pour nous laquer. Et nous avons dit, pour d'appel pour la presse, la Bias Corpus qui a fait, nous avons déposé bien sûr, il est temps pour que la commission
cour d'appel là, composition cour d'appel là, eh bien, il a statué et il a libéré monsieur parce que je dis, il est en prison, non seulement prison, parce qu'il a une position politique. Extrêmement important, il a demandé dans le plus bref délai, il a libéré prisonnier politique. D'ailleurs, depuis la prison, je n'ai pas pensé pas manger, il a maltraité eux. Ceci est inadmissible, ceci est intolérable, parce que la bataille que nous avons faite, les gens qui ont campé dans la bataille avec nous, je dis à nous ne pouvons pas quitter eux, nous ne pouvons pas quitter eux dans la prison, et nous demandons pour la guerre, parce que je dis à toute mobilisation est importante, est nécessaire pour que nous disions. Autorité qui est venue dans la prison pour qu'ils la guérissent, pour qu'ils aillent rejoindre la famille. Deuxième point que nous devrions parler dans la conférence de jeudi, c'est la question de sécurité. Nous vivons une situation intolérable dans le pays, dans la question de sécurité. Nous n'avons presque pas parlé de kidnapping, presque le monde. Parler de ça. N'importe qui monde qui sortit la caille pour la faire activité, c'est qu'on sont avec héroïne, tellement que, eh bien, il a tombé ou bien il a kidnappé. Ça nous constate dans le pays, sous question de l'insécurité. Nous constatons que 5 départements qui coupent le reste du pays. On va aller là-dedans. On partit dans l'ouest là. Nîmes, Jérémy. Grandes, Sud, Okaï, Sud-Est, Jacmel. À cause de la route, côté que Bandio établit, c'est le monde qui mourit chaque jour. C'est l'hôpital qui a fermé. C'est la police qui a couru, qui n'a pas arrêté dans le commissariat. Et puis, c'est quand on garde son bagage normal. Ceci est anormal. Il est important que la population. Il passe normalement pour le fait qu'il y a occupation. Toute activité qui est dans la zone Zayo, c'est que vous, vous garantissez. Deuxième situation que nous avons dans le pays, nous avons la police nationale qui est partiellement présente de certains côtés, qui n'est pas présente de l'autre côté. En plus, le policier est démotivé. Et puis, l'unité spécialisée, c'est que vous, dysfonctionnez. C'est quand vous n'avez pas une unité spécialisée, toute unité sans des unités des commissariats, pas de différence entre police administrative et police judiciaire. Quand ils ont toujours été dans la capitale, ils sont toujours lourdement armés et ils ont occupé en pile zone économique, côté que c'est eux qui prédominent. Et de temps en temps, quand ils kidnappent, de temps en temps, n'importe qui ça qu'a fait, et puis la police, c'est comme vous, il est normal. L'AMEA n'est pas opérationnel, mais l'AMEA a un budget qui a servi. Si l'AMEA a un budget de plus de 1 milliard, il n'y a pas qu'à bailler pour que nous ne connaissions pas qui ça l'a fait. Comment que l'AMEA a fonctionné en complémentarité à la police? C'est près de 1 milliard, 100 millions de gouttes qui ont dépensé. Pour qui ça comme ça a dépensé? Pour qui ça? La gagner en combinaison armée police pour que vous fassiez face à la question d'insécurité ça dans le commissariat pour que dans un moment vous ne pas réoccuper le commissariat et l'armée qui même a fait venir mettre de protection. Mon service d'intelligence qui fonctionnel, c'est l'FMO arrivé seulement. Il a débloqué 30 millions de gouttes et puis les a comme là à dispatch. Mais il n'y a rien à passer dans le pays. Il y a normal, comme vous avez, c'est pour comme ça aider dans l'opération. Toute opération policière, c'est 80% intelligence, c'est 20% opérationnel. Si comme intelligence, les marchands ne servent à rien, comment pour l'opération réussir? La dit, CSPN là, comme intelligence là, pour aller pour faire travail là, 80% de travail. Parce que la police, pas gagner tous les moyens pour faire opération. C'est l'intelligence qui a fait une opération ciblée. Mais si l'intelligence là, comment la va aller dans ça? Comment que la police a fait travail?
Je crois que le directeur de la police a un chargé comme ça. Et c'est pour exiger que comme ça, l'aller dans l'intelligence là, parce que si ce n'est pas ça, il y a toujours dit c'est lui qui prend, c'est lui qui n'a pas fait le travail là. Eh bien, par rapport à la situation ça, moi-même, ça fait plusieurs fois que j'ai offert la justice. Mais par rapport à la situation ça, je vais continuer à faire conseil en attendant que vous compreniez l'importance ça. Il y a 10 actions pour nous entreprendre par rapport à l'état de fait que nous sommes établis là. Pas rien. Moi, je crois qu'il est possible pour nous faire. L'essentiel, tout le monde est d'accord que je dis la situation est en blanc. Non, pas besoin de faire blanc là. Il y a des bagages qui sont faites là. Il y a des gens qui résolvent. Mais 10 recommandations que nous faisons. Premièrement, il faut redéployer la police là. Parce que le mode de déploiement qui est fait là, c'est un déploiement administratif. Il faut un redéploiement opérationnel. Il faut la police réoccuper le commissariat, Matissan, Douya, Cité Soleil. La police n'est pas d'accord que dans le déploiement de la série de commissariat, il y a un d'accord que le commissariat a été et puis il y a des gens. Donc il faut qu'on ait un plan opérationnel qui fait avec l'occupation des commissariats. Il faut que vous repositionnez l'unité spéciale sur la route principale. Parce que je dis à n'importe qui est-ce qu'on voyage dans le pays, il y a des gens. Parce que la route là, même si vous n'avez pas rien, même si vous avez rien privé, mais vous n'avez pas peur. Parce que vous connaissez pas la sécurité. Il faut que je dis à l'unité spécialisée, soit Tim, Simo, que une formation intensive, que même si 15 jours, il y a déjà une formation, pour le remettre dans le bain et on fait des opérations spéciales. C'est une question qu'il a. Pour le moment, nous avons des problèmes dans le déploiement. Mais une formation intensive qui permet de reprendre l'opération. Parce que nous n'avons pas aucune opération. C'est que pour nous, l'inormal que les gens qui campent, capturés, médecins sans frontières fermés, nous avons tombé, la police n'a fait aucune opération. Et pour la police faire opération, outil que la police gagne, c'est les unités spécialisées. Unités spécialisées, oui, des unités ordinaires, oui. Parce que nous avons fait travail de circulation, nous avons fait travail de commissariat. Unités spécialisées, c'est pour les opérations spéciales. Quatrièmement, il faut une diminution de policiers qui ont détachement. Mais que détaché parce que tout policier, chaque autorité, il y a 5-6 personnes. Quand il y a nous, il y a détaché des gens pour des leaders politiques. Si on commence à détacher pour les leaders politiques, tout policier, a deux oui. Alors que les policiers, mission principale, c'est protéger le peuple là. Il faut nous diminuer le nombre de policiers. Ça y est. Et puis, policiers, ça y est, au lieu de communauté socialisée, il y a 200 personnes. Puis, on retourne. 400-500 policiers ça, dans une unité spécialisée, parce que le principe des opérations, leur vivre situation ça, c'est le principe de la masse. Si vous avez une opération, vous pouvez habiter 20 policiers en face de 100 personnes qui n'ont pas. Vous pouvez mettre 300 policiers en fonction de ça. Parce que le principe ça, c'est le principe de la masse, qui fait que vous évitez justement pour la télévision. Si j'aime, faut tout policier qui est GBL 4 quitter un détachement, faire retourner la base. Pas quitter une unité spécialisée de président, il y a même qu'à protéger tout le monde qu'on désordre dans la question. Policier, ça a son seul entraînement pour le faire dans la base ligne. Septièmement, il faut une mise à jour de l'effectif du policier. Dernière fois, la police, je l'ai dit, il y a environ 15 000. Mais soit sur l'inspectionnel, là, il y a 15 000. Côté leur policier. Est-ce que c'est des policiers qui ont détachement? Est-ce que c'est des policiers qui partent? Est-ce que c'est des policiers qui désertent? Si on parle de la police là, il faut que vous mettez à l'écart et comme ça, il y a un recrutement qui vous fait pour que la police arrive à 15 000 là. Et puis, vous payez, si on a besoin de bloquer dans le budget. Et c'est ça qui me vient mort. Parce que je vous dis, si vous projetez à venir des élections et vous comptez sur force haïtienne, et il y a 12 000 bureaux de vote. Pourquoi il y a 12 000 bureaux de vote, il y a 12 000 policiers. Il faut qu'il y ait au moins minimum 15 000 qui en activité de service.
Donc il faut assainir la police. Hein? Il faut que nous contrôlions exactement combien de policiers qui sont venus. Que l'inspection générale décide sur les policiers qui ont attendu, qui ont dit qu'ils n'ont mauvaise affaire pour retirer dans la police là. Et que pour mettre effectif la police là, non, au niveau côté déjà des comptes qui ont débloqué pour eux. Tout le travail qu'il faut faire pour que la police là qui a servi vraiment comme élément de la force publique. Et puis, mon utilisation rationnelle de 30 millions de gouttes qui débloquent pour CSPL là, chaque mois. Ou bien service d'intelligence qui n'a pas de CPG. Ou bien service d'intelligence qui n'a pas de CPG. Ou bien service d'intelligence qui n'a pas de CPG. Bon, quoi qui débloque. Donc il faut nous garder ça comme travail pour nous faire comme là, pour que nous puissions faire des opérations d'intelligence en vue des opérations policières. Je dis à tout ça qui a fait de l'intelligence, il n'y a pas lié à l'opération policière. Et pas grand rien qu'on va faire pour l'opération policière là, que si on n'a pas d'intelligence, on va faire, et qu'on compte qui est débloqué pour l'intelligence. Il y a un problème dans la finance publique. Mais malgré tout comme ça, il ne va jamais souffrir de retard. Donc c'est pas souffrir de retard, il faut utile. Et je dis à nous besoin, puisque l'opération policière, c'est 80% d'intelligence. Et en fin de compte, opération spéciale. Il faut que continue. Ou pas qu'à faire opération spéciale. Dans zone, vous faites le jeudi à 1er juillet, ou faire l'autre en 1er septembre, ou faire l'autre 2 octobre. Ou permettre à toute opération qu'on fait à ligater, parce que pas gagner la consolidation des positions. Moi, je pense que c'est des théories très simples. Des théories très simples de ça. Que la police oui fait. Parce que je vous dis à l'inacceptable que nous d'accord depuis 2 mois que mon route qui est bloquée, que la population qui a souffert chaque jour, soit la courir, soit la passer sur mon tour, qu'on est exposé le capot mal. C'est inadmissible que je vous dis à tout et que pas aucune opération qui fait le désarmement dans l'autre zone, yo, nous ne sommes pas passés dans ça, dans l'autre zone. Yo. Donc nous pensons que je dis, là, nous ne pouvons pas à parler simplement de politique, il faut regarder le problème sérieux. Et le problème sérieux, il faut le résoudre. La libération des prisonniers politiques et sécurité pour la population. Minimum ça le café, nous avons besoin de blanc pour faire. Nous avons les moyens de le faire. Que ce soit moyens financiers et moyens effectifs qu'il a. Il faut simplement nous concentrer et nous connaître la population, c'est le patron, et que c'est ça qui nous fait aujourd'hui. Mais deux bagailles que nous devrions au départ parler et nous demander que pendant ce maintenant, que nous commençons à réaction sur la libération des prisonniers politiques et sur la sécurité, ce travail que la police fait. Et moi, après, la dernière fois, si la paix, mon budget de plus de 2 milliards de gouttes, il faut la mise à même si c'est 500 000 ligues en Haïti. Parce que 1 milliard de gouttes, ça fait trop pour la Haïti. Ça fait taxe le peuple pour arriver là. Maintenant, vous devez parler du sujet ça qui était soulevé hier, le greffier Valentin, le greffier de Pétionville, qui développe un journal avec hier, l'homme de Wé, conduit, qui était sorti, il était dit, il demandé, mais des greffier à. Et demander le greffier à mettre non, il y a la torture à Réginald Boulos, dans la question du dossier assassinat président. Moi, je me dis non, depuis longtemps dans la carrière, depuis 2006, je suis sénateur de la République. C'est chaque jour que je vais attaquer ce dossier de l'exact. Il y a même des Français qui ont attaqué parce que vous avez demandé la sécurité générale à la torture. Vous avez dit non, moi, capable, comme officier. Et puis, il y a des journaux avec le monde. Ou bien dans la Tibonite, les gens demandent de faire alliance, ils ne pas fait. Il y a attaqué, il dit, il y a l'ambassade, il dit, non, bon. Pas de peur, mais c'est ça. Parce qu'on est dans la vie, on n'a pas peur, ça va faire. Peur, ça va faire. Et courage, on toujours continuer la bataille. Parce que, moi, pour être aujourd'hui, nous tous, depuis mon rôle que nous avons joué dans le pays, nous avons bataille pour les Haïtiens. Et c'est leur bataille pour les difficultés. Sous la bataille, il y a beaucoup de
dans la bataille. Mais l'homme tenté, greffier a arrêté, par la velle, pour le dire, il y a un monde qui vient demander définitivement dans le dossier ça. Moi, j'étais choqué quand même. Parce que moi, je pense que un dossier comme ça, aussi important, un dossier qui a lieu international. Quand ils sont plus transnationaux, puisque ils commencent à préparer dans la Colombie, ils ont une opération en Afrique, ils ont une réunion aux États-Unis, Saint-Domingue, et puis ils ont un président. L'on est à essayer de virer le dossier ça sur le monde. Ceci est extrêmement grave. Avec les nègres, ça a eu, puisque le président est tellement. Il est force, il est tellement puissant. Il a fait attendre et il a essayé de virer sur le monde. Ça veut dire que. Mon enfant qui est là, il me connaît ça à faire. Dans les erreurs qui étaient déjà faites dans le César. Depuis l'heure, je vais sur le crime. Là. Tant que vous êtes au commissaire gouvernement, juge de Bernouvé, plusieurs mondes qui entrent dans le dossier, plusieurs informations qui sont contradictoires. Jusqu'à présent, dans mon juge d'instruction, il est important de corriger tout ça. Et ça, on va appeler, je ne veux pas. Bon, il faut tout le peuple ici arrêter pour que je ne veux pas qui tue les gens. Parce que là, nous remarquons, les gars essayent de détourner. Et mon gars essayent de détourner, le plus souvent c'est Mounsa. Il fait tourner. Ils essayent de détourner. Nous, même ça, c'est important. Parce que j'en ai dit, nous ne pouvons pas faire ça. Ça nous pas fait, nous pouvons ça nous fait. Ça qui est important, c'est que dans ce système-là, je dis à me féliciter et griffier ça, Valentin, qui lui-même choisit pas entrer dans ça. Parce que l'homme pile qui est arrivé, je n'ai qu'à prendre pression et puis maintenant. Et là maintenant, nous avons retrouvé les mêmes gens en pire situation avant, en défendant des points dans le bagage du pays. Je dis à fois que vous avez des gens quand même juste ça, juste petit envie. Greffier ça, c'est des gens qui bravent, c'est des gens qui sont dans ce système là. Eh bien, il faut nous demander sécurité pour nous. Il n'y a pas de sécurité depuis longtemps. Il faut nous bailler la sécurité. Nous tous disons dans la justice là, quand il y a des gens, c'est des vendus. Mais greffier ça a montré qu'il fait travailler. Il n'y a pas prendre la pression. Et on a dit greffier, tout téléphone qui avait écrit là, qui était dit à balle dans la tête là, eh bien, ce dossier ça a voulu remettre la justice pour le monter plein. Qui vous fait que vous jouez le monde ça? Parce qu'à partir de Mounsa, il y a demandé 10 actes de l'être pour le devenir de la salle. C'est ça que je dis à qui c'est vrai. Je dis que Fia, qui est fait, il a demandé l'État pour protéger le Fia. Nous avons habitué la bataille, nous toujours bataillé. Mais protéger le Fia. Parce que c'est des gens pour ça que nous besoin dans ce système-là. Des gens honnêtes qui ont fait le travail, ça on va obliger de vendre. Non. Et je demande encore une fois pour protéger le Fia. Depuis longtemps, depuis le 10 juillet, il y a pas eu de menace et nous avons aimé que nous protéger. Nous-mêmes, pour côté de la continuer bataille, pour non seulement le président Jovenel de la justice, mais au jeune frère Mouni. Il y a pile de déclarations qu'il a fait, nous avons essayé de désorienter les questions. Parce que je dis à notre président, si on va une justice, n'importe qui est arrivé, qu'à victime. Il est important de nous joindre vraiment qui fait ça. Voilà, en général, le point que nous devons soulever aujourd'hui, la libération des prisonniers politiques, recommandation pour la population de sécurité et question de FIA, nous ne pas peur, mais protéger le FIA et surtout, le monde qui devine faire ça, il faut que la justice, mesdames et messieurs, nous connaissons, arrêtez-nous ça. Et on connaît qui est-ce qui est capable d'elle, qui voulait dire ça. Merci beaucoup.